monsieur le directeur général de l'enseignement scolaire. Le ministère que vous dirigez depuis 2017 a annoncé en cette rentrée la généralisation du dispositif d'évaluation d'école. L'annonce de leur report au mois de décembre, si elle a soulagé pour un temps des équipes concentrées sur la rentrée scolaire, n'a pas rassuré une profession qui les rejette massivement. Les inquiétudes sont multiples et sont relayées par des organisations syndicales unanimes. Travail chronophage, remise en cause de la liberté pédagogique, mise en concurrence des écoles, risque d'ingérence des collectivités locales dans les contenus d'enseignement, inversion du contrat didactique avec des élèves et des parents invités à juger les enseignants à travers des questionnaires de satisfaction aux items discutables. Je l'ai dit, il s'agit de la généralisation d'un dispositif expérimental. Ma question est donc la suivante. Ces évaluations ont-elles été évaluées? Si oui, peut-on avoir connaissance des résultats? Et sont-ils de nature à rassurer la profession? Enfin, dans le cas contraire, vous engagez-vous à supprimer et non plus à suspendre ce dispositif? Je vous remercie de votre écoute et de vos réponses. Merci, monsieur le député.